Camille Condé-Ferreira, une première à la boule et une belle performance puisque vous êtes troisième du deuxième jour. La meilleure performance tricolore, déjà, comment ça s'est passé? Je prends. Alors, je suis très contente de ma jument qui a très bien sauté. C'est vrai qu'être troisième sur un terrain comme celui-ci, c'est assez magique. En plus, oui, du coup, je suis meilleure performance française, donc c'est sympa, surtout que je suis la plus jeune à concourir dans cette épreuve. Donc, c'est sûr que je suis très heureuse d'avoir fini troisième et maintenant, il faut croiser les doigts pour demain, espérer une victoire. Alors justement, la boule, qu'est-ce que ça représentait pour vous avant de venir courir ici? Et qu'est-ce que ça fait d'être sur le terrain de la boule? Alors avant, c'était assez magique de pouvoir voir ce concours à la télé parce que j'étais jamais venue. Et c'est sûr qu'on rêve tous un peu devant la boule. Donc quand on m'a dit que j'allais, parce qu'au début c'était pas sûr, mais j'allais sûrement faire la boule, j'étais aux anges. Et alors quand on m'a confirmé que je faisais la boule, j'étais la plus heureuse du monde parce que pouvoir tourner sur une piste aussi belle aux côtés des plus grands cavaliers, c'est quand même assez extraordinaire. Première fois à la boule, le contexte, le cadre, les box, comment c'est la boule quand on est à l'intérieur? Alors déjà, la piste, comme beaucoup le savent déjà, elle est magnifique. C'est assez grandiose avec tous les obstacles, enfin les obstacles du derby, on va dire, plus tous les magnifiques obstacles qu'il y a sur la piste. Moi, je ne suis pas trop allée vers les box des 5 étoiles, mais il paraît qu'ils sont assez sympas. Moi, je suis autour du paddock, donc c'est sympa parce que dès que je passe à mon box, je peux voir tous les grands cavaliers qui travaillent à 3 mètres de moi. Donc c'est très, très sympa et franchement, je pense que c'était quelque chose à vivre déjà une fois dans ma vie. Et j'espère le revivre, mais sur une catégorie supérieure, on va dire. Cet après-midi, la Coupe des Nations, vous allez suivre? Ah oui, je vais suivre à 200% parce que moi, j'ai la chance d'en faire assez régulièrement en junior. Et donc, je sais comment ça marche, je sais comment ça se passe. Donc, c'est sympa de l'avoir de l'extérieur, on va dire. Merci beaucoup, Camille.